Conduire, c'est une activité qui est complexe et qui sollicite plusieurs ressources comme l'attention, la concentration ou encore les réflexes. Si vous souffrez d'une maladie ou si vous présentez un handicap, cela peut affecter votre aptitude à conduire. En cas de doute, adressez-vous à votre médecin. Il vous orientera vers le DAC s'il l'estime nécessaire. Au DAC, on vous fera passer toute une série de tests pour vérifier si vous pouvez conduire en toute sécurité ou pour trouver avec vous une solution pour adapter votre poste de conduite. Rassurez-vous, on ne vous fait pas repasser l'examen du permis de conduire. Si vous présentez un handicap, il existe toutes sortes de solutions techniques qui vous permettent d'adapter votre véhicule et de conserver votre mobilité. Donc, faut savoir que lorsqu'on présente un problème locomoteur, il y a pratiquement toujours une solution technique qui existe. Ici, dans ce cadre-ci, on est avec un accélérateur électronique et un frein volant. Et c'est assez typiquement le genre d'adaptation qu'on met en place pour des gens qui souffrent de problèmes des jambes. À la suite des tests au DAC, la plupart des personnes peuvent continuer à conduire. Adopter les bons réflexes en vérifiant si notre état de santé impacte notre conduite, c'est notre responsabilité à tous.